Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode d'Elite Dangerous où j'ai changé la couleur du HUD vers ce petit bleu. Donc si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je trouvais ça un peu plus sympathique que l'orange qui était assez agressif. Donc j'ai aussi fait plusieurs autres petites modifications. Comme vous voyez, je suis pas du tout au même endroit, je suis à Cooper Hub d'Akamadenu, donc certains reconnaîtront peut-être. Et vous allez le voir, je n'ai plus de puissance. Pourquoi? Parce que je suis allé voir chez Zachary. Et Zachary, il a un shotgun amélioré. Voilà. Et je ne joue pas du tout au shotgun. Vous me direz, je compte prendre Lavinie Duval. Ah, Lavinie Duval. Et elle a un railgun amélioré. Mais bon, voilà. C'est quand même une différence de puissance assez sympathique. Premièrement. Donc, je prête allégeance à cette femme aussi parce que voilà, il n'y a pas que du combat. Bon, il y a aussi beaucoup de combats, mais il n'y a pas que ça. Deuxièmement, parce qu'elle aussi augmente les bounty hunting de 50%. Et troisièmement, parce que voilà, les vaisseaux impériaux, quand même, putain la classe, quoi. Donc voilà. Donc on vient de prêter allégeance à Lavinie Duval. Bon. Par petit acquis de conscience, je vais quand même aller voir. Donc là, c'est pour la subversion. Donc je préfère plutôt aller dans l'expansion, mais c'est assez loin. Et le contrôle, consolidation. Ravitaillement. Apparemment, on n'est pas tenté de faire plus. Expansion probable. Bon, bah, c'est ce qu'on va faire. On va aller voir dans Vich. Il n'y a personne qui l'a fait. D'accord, on est à peu près à 4%. Ok, bon. Je sens qu'il y a beaucoup de monde dans cette zone, dans cette flotte. On verra ça plus tard. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. Si elle se fait voler dans les plumes. Donc, service de spatioport, on va aller faire quelque chose d'autre. Hein. Tableau d'affichage, si le bleu ne voit pas, n'hésitez pas à le dire, hein, je peux comprendre. On a ceci. Ah, il y a quelqu'un qui rentre et qui l'aurait pas dû. Type de cible, pirate 2. Bon bah voilà. Dans le système Bunusson, c'est ça, hein. Bunusson. Du coup, bah, on va aller ici, carte de la galaxie. Bah quoi que c'était peut-être juste à côté en fait. J'ai peut-être été stupide. Allez voir directement là, hop, Bunusson. Le voilà. Et ben on y va. Hop. Si, une dernière petite chose, chers amis. Je crois qu'elle vend. Alors, on a pu remarquer des choses avec des gens hier soir. 9, voilà. Healer. Transport, Vulture. Il est bien à 4 millions 9. C'est marrant, j'ai l'impression que le prix a réaugmenté en fait. Il y a eu une mise à jour des serveurs il n'y a pas longtemps. Et j'ai l'impression que le prix a réaugmenté. Bon, bah, écoutez, on verra bien. Hop. Allez. Faut du fight là. Accélérer un peu trop. Hop. Parfait. Donc nous sommes passés dans l'Empire, chers amis. Voilà, c'est dit. Fallait la faire de façon à un moment ou à un autre. Hop. On quitte le champ gravitationnel, chers amis, et on est bon. Si ça ne vous plaît pas, les colorations, n'hésitez pas à le dire, chers amis. Si vous préfériez le orange, je vais remettre en orange. Parce que je suis persuadé que celle-ci a beaucoup de défauts. Hein. À quand, comment ça s'appelle, Frontier va nous permettre de le faire par nous-mêmes directement via des trucs dans le jeu. Sinon, on a juste modifié un fichier, en fait, chers amis.
Mais bon. De toute façon, ce ne sera que pour un épisode. Hein. Même pour moi, ça se trouve, ça ne plaît pas l'apprécier. J'ai pas fait de combat, je viens tout juste de la mettre, hein, à vrai dire. Donc bon. Nous devons nous battre contre deux pirates, si je me trompe pas. Vous voyez, il n'y a plus aucune couleur rouge. Ouais, c'est non, c'est peut-être pas top. Apparemment, je suis pas tout seul dans la zone. Pas du tout, oulala, le soleil. Peut-être freiner un petit peu. Ce serait peut-être pas plus mal. Alors, le Viper. Rechercher. Tiens donc. Parce qu'on a des gens un peu moins loin. J'ai pas l'impression. Alors, bouclier de la justice. Sidebinder. Coursier impérial. Bon. On va faire autrement, chers amis. Oh là là, ouais non, même moi je vais la changer. Je suis désolé, je vais la changer aussi. Je n'en ferai plus jamais de conneries comme ça. Je changerai moi-même aussi là. Je reviendrai sur l'orange. Autant faire l'orange vu qu'apparemment le jeu n'accepte que l'orange. Je pensais qu'il allait garder quand même une espèce de, vous savez, d'intelligence entre guillemets en choisissant les différents trucs. Mais vous voyez, il n'y a même plus de différence entre le bleu et le bleu quoi. Non, 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 non. Voilà. Vous inquiétez pas, dès le prochain épisode, je vais avoir changé ça. Et si quelqu'un par contre en connaît une qui soit efficace et qui ne soit pas trop, comment dire, qui ne gâche pas trop en fait les différentes informations que nous offre le jeu, par exemple tout ce qui est indication, warning en rouge, etc. etc., etc. Je vous remercie de bien me les noter dans le, de m'envoyer des liens d'images ou n'importe quoi vers, dans les commentaires. Ou directement dans le groupe Steam. Ce serait parfait, ce serait royal. Hop, allons voir ce qu'il y a là-dedans. Et si on ne trouve rien là-dedans, on va aller directement dans la balise de navigation et on va tout défoncer. Hop. Ça y est, on approche. 5, 4, 3, 2, et 1. Et on est bon. Attention. Hop, les. 3 vaisseaux. Un Viper, service de sécurité interne. Pourquoi pas. Un ASP. Recherché. Voilà, j'ai rien dans mon armement. Payé. Oh ouais non, ça bousille toutes les informations que nous offre le jeu. C'est moche, chers amis. Hop. Wow, passe pas devant comme ça. Alors, et toi, t'es quoi? Tu es sympathique. Bon, bah écoute, tant mieux pour toi. On va aller à la balise de navigation, chers amis. Ça va être plus pratique. Oh, hop.
Voilà. Ça va être plus facile et plus pratique. Parce que vous voyez, on est tombé sur trois vaisseaux, on est tombé sur deux, un vierge et un des flics. Donc ça sert strictement à rien. D'après ce qu'on m'a expliqué sur les balises de navigation, chers amis, il faut attendre longtemps avant que les gens recherchés arrivent. Donc bon, sauf s'il y a un autre joueur. Et bordel de chiottes, je vous promets que je vais remettre l'interface normale. Bon alors? Blond. Trop loin. Putain de merde! Alors où est-elle? Ici. Allons-y. Ah, aucune destination. Deux fois que je l'ai loupé, chers amis. Ça va pas le faire. What? En fait, je suis rentré dans le truc, mais je suis trop loin. Parce que si c'est le cas, moi ça me dérange pas de booster jusque là. Hein. Hop là. Je fais tellement de kilomètres. Regardez là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un clipper impérial, tiens donc. Rechercher. Hé, Clarisse! Raté, Clarisse. Oh, que c'est moche cette interface. On va pas avoir le temps. Il n'y a pas à avoir le temps, voilà. Alors, dans les trucs, on en a combien? Une sur deux. D'accord, c'est vraiment des pirates qu'il faut que je trouve. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Je les trouverai bien. Hop. Oh, cette interface est plus la pisse. Désolé, chers amis, mais... Ah, apparemment, il y a eu une destruction. Un Diamondback. Quasi vierge, t'as de la chance. Ah ah. Ouf. Le sac. Oh, mais viens par là! Casier vierge, tout ça pour ça. Un eagle, tiens donc.
Est-ce qu'il s'est bouffé? Oh putain. Attaquez-moi tous, y a pas de problème. Absolument aucun problème. Ah bah voilà, c'est ce qu'ils font. Ah bon, d'ici là qui pète mon bouclier. Non, c'est faux. Mais non, c'est faux. Hop. Voilà. Pas pour longtemps. Ok, ça rapporte strictement rien par contre, chers amis, autant le dire. Hop. Oh là là, oui. Boum! Qu'est-ce que c'était beau de te voir exploser. Bon. Retournons à la Cooper machin. Heureux, chers amis. Donc. Hop. Ouais. Oui, on en était où? Oui, c'est ça. On rentrait, putain, j'ai eu peur de me faire défoncer pendant que j'étais pas là. Mais non, ça va. Fou! C'est parti! On rentre, on va se faire 50 000 plus à peu près, ouais, on va se faire un petit 100 000 là. C'est rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Ça devrait assez bien se passer malgré tout. Par contre, cette interface va disparaître. Je peux vous assurer qu'elle va disparaître très rapidement. Cooper Hub, le voilà. Et il est derrière nous, forcément. Hop, voilà, je viens de régler la puissance des gaz. J'espère qu'on ne dépasse pas 36 000 fois. La station. Alors oui, maintenant il y a des mariages, des barges de mariage, chers amis. Des barques de mariage. Donc sûrement des orcas hein, avec des mariages dedans. Bon bah écoutez, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un mariage? On ira peut-être en voir un de ces quatre quand j'aurai rien à faire. Pour l'instant, je dois farmer des millions et des millions et des millions. Pour... Il pourrait bien se vulture. Hein. Donc là... Ouais... Hop, on n'est quand même pas rendu. Bleu arc. Voilà. Bleu arc, même je dirais. Voilà, parce que c'est moche. Cet épisode-là, il est tourné. Je note, hein, parce que j'avais pris en fait avec la nouvelle série, je me suis trompé sur certains jours de tournage. Et donc j'ai tourné des choses en plus et j'ai tourné des choses en moins, ce qui fait que j'ai plus d'avance à des endroits qu'à d'autres. Et d'autres, j'ai presque du retard. De toute façon, oui, je crois que là je tourne pour la veille pour le lendemain. Pour certaines vidéos d'aujourd'hui. Donc bon. Je rattrape mes erreurs.
J'ai pas d'écran dans mon PC, enfin dans mon vaisseau, je suis désolé. Enfin, peut-être qu'on en aura un jour, chers amis, peut-être que dans la prochaine mise à jour, on pourra enfin se balader dans notre vaisseau. Ça pourrait être pratique. Ça pourrait être sympa. Dans ce cas-là, il faudrait qu'ils incluent un système de pilotage dramatique qui nous permette de nous téléporter d'un endroit à un autre. Enfin, pas nous téléporter, mais de faire le voyage via un système de déplacement automatique. Et d'être à l'arrière du vaisseau, par exemple, faire n'importe quoi d'autre, ça pourrait être complètement stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais de mon point de vue, moi, je trouverais ça stylé de chez stylé. Et j'arrête pas de dire stylé parce que voilà, parce que c'est stylé de dire stylé. Bon, ce bleu va dégager. Oui, j'ai envie de mettre fin à l'épisode de rien que pour le mettre. Enfin, pour le changer. C'est laid comme c'est pas possible. Putain, faut qu'on fasse tout le tour. On va ranger l'armement, on en a pas besoin. Hop. La voilà. Hop. Non, il y aura contact. S'il y a contact, je suis dans la merde. Il y a pas contact. C'est le genre de chose qui fait que vous faites défoncer en sortie, chers amis. Ouh, il y a quelqu'un. Excusez-moi, chers amis, il y a un autre joueur. Il y a deux autres joueurs, un clipper d'ailleurs. Led Zeppelin, maître. Peut-être pas m'attaquer à lui, casier vierge. Et là aussi, s'en est un. En plus, c'est un piton, je vais pas m'attaquer à lui non plus. Casier vierge. Bon, on y va. Hop, piste d'atterrissage 43. Là. Surtout que tout le reste est en orange, chers amis, donc on va remettre l'orange. Parce que je trouvais ça un petit peu agressif la nuit, en fait. Voilà. Oh là là. On n'est pas la nuit, je m'endors déjà. Hop là. Entrons dans le hangar, service de spatioport. On va se faire ravitailler quand même un petit peu. Contact. Encaisser toutes les primes, 109 000. Rappelez pas. Contact au sein de la puissance, non. Tableau d'affichage. Terminé pour un demi 100 millions. Enfin, un demi 100 000, pardon. Un demi 100 millions, ça va plus dans ma tête. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah ok, pourquoi pas. Donc c'est ça notre prochain objectif, chers amis. Bon, bah on verra bien. On verra bien. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouceveriser, la commenter, la partager, vous abonner, vous rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vais modifier ce putain de HUD tout bleu qui est tout moche. Et je vous retrouve à plus tard pour d'autres vidéos. Salut les gens. J'en chie à faire mes outros maintenant, c'est violent. Oh là là.